Nous sommes de grosses merdes en somme, de gros ratés imbus d'eux-mêmes, des fils froids qui ne rient que lorsqu'ils se brûlent, des messagers de mon fumé fou, boîte de nez dans un bidet. Nous en gardons l'odeur que notre vie se dresse, pour un oui-oui, pour un mignon dans la gueule, à des usines à verre, vroom-vroom, des cataractes moisies du bulbe. Nous rôdons dans des univers cacaïens. Je suis fait comme moi. Je deviens idiot. Je sens bien que je deviens idiot. Je n'ai plus qu'un seul point de vue sur la liberté. J'ai une tête au carré reconfigurée par la transaction et l'intérêt. Je repeuple des relations avec mes sensations au rabais. Je souhaite collaborer avec Puff Daddy. Mon enfant s'appellera Mickey. Après toi, je ne sais plus où j'habite. Je me les gèle. Je me lèche.
Je me suce, il fait nuit, la vodka tremble. Je me lèche, je me suce, la vodka tremble. Le jour se lève, je me les gèle. Alors je me lèche, je me suce. Je me gargarise de ressentiment social. Je me nourris l'homme qui souffre. Je tabasse à mort les pauvres. Je m'enrobe de modernité, je juge les suicidés. Je mange des plats sophistiqués, je nage dans l'autoréférentialité. Je consomme des musiques entraînantes et des actualités surabondantes. J'utilise des clichés tactiques et je parle en stéréotypes. J'accélère le pouls de l'inégalité. Et bientôt après toi, je me serai totalement réorganisé. Je pourrai épargner, m'aliéner, demeurer inerte au milieu de condamnés à mort, décliner le bonheur en apparence convenue. Je pourrai m'intégrer à une société parfaitement rangée, dormir dans des lits congelés, mes ongles limés trinqueront à la gloire de l'émotion dégradée. Puis je paierai pour une thérapie de ma moralité dans des petits salons pleins de vulgarité où des spectateurs anesthésiés m'inciteront à la haine raciale. Après toi, je détruirai l'art, je haïrai la poésie, je pétrifierai mon enthousiasme dans des salles de sport. Ma plastique récréative sécrétera des odeurs de solitude et de mal-être souriant. Après toi, je ne serai plus qu'une fiction codifiée et exploitée, avec pour objectif un maximum de rendement. Je serai un enfant truqué qui enlèvera sa culotte pour générer de la rentabilité. Après toi, je ne ferai que transiter, condamné à errer, les cheveux dressés sur la tête, dans des sociétés indifférentes et autosatisfaites. Je jouerai à la guerre avec mon destin tragique et anonyme, puis après toi, je finirai immobilisé, tué sur les coups par des purs moments de bonheur. Après toi! En somme, il semblerait que vous... En somme, c'est ça, aujourd'hui. Il semblerait que vous soyez... Aujourd'hui, maintenant, oui, maintenant, oui. Maintenant, on est là. Il semblerait que vous soyez... Aujourd'hui. Il semblerait que vous... Aujourd'hui, on est là. Il semblerait que vous soyez... Maintenant. Que vous soyez... Maintenant. Il semblerait que vous on est là. Soyez, vous... Oui. Que vous soyez... Non. Aujourd'hui. Il semblerait que vous soyez... Aujourd'hui, on est là. C'est off. Ça, je vous dis, c'est off. Ça, oui. Les femmes, évidemment, qu'il vaut mieux avoir la passion des belles femmes. La passion des belles femmes a déclaré le président du conseil italien, des très belles jeunes femmes, petites filles. Vaut mieux avoir la passion des belles petites femmes, filles plutôt. J'ai l'intime conviction que dans ce sens, pédophiles. Dans ce sens, y aller, oui, chacun, oui, tous les grands garçons, y aller, tous, d'une manière ou d'une autre, tous, on y va. Selon une récente enquête de l'assureur Ipsos, le rugissement du moteur V8 de la Maserati provoquerait une montée d'hormones chez 100% d'une manière ou d'une autre. Les petites filles interrogées. Qu'est-ce qui se passe tout le temps pour chacun? Les femmes laines ne sont pas concernées. Alors quoi? Soit une excitation érectile. Alors quoi? Les petits garçons regardent l'amour. Alors et le pénis est constitué de trois chambres. Ça continue. Comme nous sommes sexuellement chauds. Ça continue. Et rien d'autre. Notre cerveau secrète des hormones qui ont pour résultat d'augmenter le flux du sang dans le pénis et d'en remplir les tissus érectiles. Les petits garçons absolument rien d'autre dans la chambre à air. Rien. D'ailleurs, pourquoi? Pourquoi faire? Ça aurait lieu, pourquoi? Et après? Qu'est-ce qui pourrait? Et après, moi, je dois me justifier, moi. De quel ordre? Je dois me justifier. De quel ordre? Non.
Tu sais que papa c'est pour du lanternin. Il s'est pendu dans le grenier.